Regardez, Rabbeinu, comme d'un côté, il nous responsabilise, d'un autre côté, il nous libère, d'un autre côté, il nous montre qui on est et il nous dit, voilà, va vers toi, comme il dit Hachem à Abraham Avinu. Va vers toi, c'est pas toi ça, va vers toi. Toi, c'est pas la politique, toi, c'est pas les Jeux Olympiques, toi, c'est pas la musique, toi, c'est pas les vacances, toi, c'est pas ça. Va vers toi, commence à vivre ta vie, commence à vivre, hein, commence à exister dans ta véritable nature. Pourquoi tu vis une fausse vie? Tu crois que tu aimes ça, tu crois que tu aimes l'autre. Ton âme, elle hurle toute la journée. On est là, on a de la peine pour les otages. À chaque fois qu'on pense à eux, on a mal. On dit comment ils sont là-bas? Quelle vie ils doivent avoir? Comment ils doivent être là-bas? Hachem, il les protège, il les libère. Mais nous, on est des otages aussi. Nous, on vit comme des otages. Nous, on est des otages de la société, des otages du monde. On a choisi d'avoir des vies comme ça. On aurait pu éviter, on aurait pu refuser. On n'a pas voulu refuser. On a accepté. On nous a dit, tu vas faire ça, ok, on a accepté. Non, dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Moi, je veux connaître Dieu. Je veux connaître la source de vie qu'il y a dans le monde. Il y a une source de vie qui s'appelle Nachal Noveam et Kokokma. Il y a une source de vie qui s'appelle Rabbi Nachman. Moi, je veux connaître cette source de vie. C'est pour ça, moi, je suis là que pour ça, le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc, tout ce que je peux faire pour me sanctifier, pour avoir accès à cette source de vie, je vais le faire, c'est tout. Et tout ce qui n'est pas en rapport avec ça, ou tout ce qui va me salir, comme il dit Avraham Lachman dans sa Sambe Simcha, il dit chaque fois que tu fais quelque chose de bien, tu enlèves les écrans qui te séparent de cette source de vie. Et chaque fois que tu fais quelque chose de mal, tu augmentes tes écrans, tu te rapproches de Amalek. Donc le jeu, il est clair, il n'est pas difficile. Ah, maintenant, tu n'arrives pas à te retenir, alors pleure. Pleure. Pleure, c'est tout. Demande à Hachem. Hachem, délivre-moi. Je suis otage de Amalek. Je suis un otage de Amalek. Délivre-moi. Je suis emprisonné chez Amalek. C'est moi qui suis rentré. Mais délivre-moi, je ne me suis pas rendu compte. Je ne savais pas que j'en allais arriver là. Je ne savais même pas qui j'étais. On ne m'a jamais dit qui j'étais. Je ne savais pas. Mais maintenant, je sais. Délivre-moi. Je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester. Je veux pas rester un otage de Amalek. Exactement. Il nous faut nous renouveler, vraiment. Il faut nous renouveler, une approche renouvelée. Bezrat Hashem, je m'excuse, je ne peux pas continuer parce que je dois préparer pour le Mishkan, les gens qui arrivent pour travailler dans moins d'une heure. Il faut que ça soit prêt, j'ai beaucoup de choses à faire encore pour faire démarrer la journée aux gens du Mishkan. Donc les amis, bonne journée, désolé pour le décalage, mais vraiment, là on était attaqué. Il n'y a plus rien qui marchait, aucun téléphone, l'ordinateur portable, rien. Mais bon, Hachem, je suis venu avec les classiques et l'ordinateur classique standard, ça a marché. Baruch Hachem, Ashrenu Matov Chelkenu. Excellente journée les amis, des bonnes nouvelles, et on se retrouve dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Portez-vous bien, et excusez-moi si je vous secoue un petit peu, ça ne vient pas de moi. Je suis aussi secoué que vous, ne croyez pas que je suis en train de faire des discours. Moi aussi, je veux avancer, moi aussi, je veux plus être un otage. Moi aussi, je me rends compte que je suis complètement à côté de la plaque. Ne croyez pas que je vous parle à vous, je parle d'abord à moi. C'est Rabbeinu qui envoie ça. On a tout là. C'est vrai que c'est pas agréable, mais c'est vrai. Et ça donne envie. Vous vous rendez compte? C'est un projet de vie, il devient Rabbi Shimon, mais c'est un projet de vie, c'est merveilleux. Tu vas dire à quelqu'un, tu peux devenir Rabbi Shimon. C'est pas que tu peux, tu es Rabbi Shimon, mais sois toi-même. Va vers toi, arrête d'être un singe, arrête de faire le singe. Arrête de singer, arrête d'être, de faire le clown, arrête d'être le clonage de Hollywood. Arrête d'être le clonage. Refuse la clownerie, refuse le clonage, avance.